Et bonjour à tous et à toutes, c'est l'équipe de 766 pour un deuxième mini let's play, entre guillemets pour mini let's play sur la bêta de Nioh. Enfin la première fois c'était sur l'alpha de Nioh, là c'est la bêta, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Deux infos pour commencer l'épisode, le DLC de Dark Souls 3 sort dans un certain temps, non il sort le 24 ou 26 octobre, donc j'ai largement le temps pour vous envoyer les vidéos, donc je vais réduire le rythme parce que j'ai pas mal avancé, j'ai quasiment fini le deuxième let's play, il me reste 2 ou 3 épisodes à tourner, peut-être 4, bref, c'est pas la question. Cependant, on va avoir un let's play de pas mal d'épisodes je pense sur Nioh. Bah je vais prendre, hein, je sais pas ce que c'est mais... comment ? Donc oui, on va avoir un petit let's play sur Nioh, on va avoir un let's play sur, si vous le voulez, la semaine prochaine Resident Evil 4, puisque j'ai annulé le let's play Deus Ex Revolution, Mankind Divided, n'importe quoi. J'ai fini le jeu, et bon. On va faire une nouvelle partie. Donc, Nioh, je sais pas quand il sort, c'est pas encore annoncé je crois, mais en tout cas il y aura un let's play voilà, dès la semaine prochaine sur Resident Evil 4. Donc comme vous pouvez voir, il y a deux missions, donc la première c'est celle qu'on a déjà fait, et ça c'est celle qu'on n'a pas déjà fait. C'est une nouvelle mission qu'on connaît pas, donc ce que je vais faire, je vais vous montrer les nouveautés. Donc voilà, il y a un forgeron qui nous parle, donc on peut vendre nos armes déjà qu'on a de base. Donc par exemple, moi la hache, la lance, je la vends. La hache, on va la garder, on va peut-être essayer de jouer avec la hache. Arc long, tout ça on garde. Bon ça, je vais pas trop regarder, on peut acheter des armes, on peut reforger je pense. C'est des armes cassées. Il y a l'air pas mal d'avoir pas mal de fonctions qu'on connaît pas. Sol sacré, je sais pas ce que c'est. Tori, c'est pour genre multijoueur. Et le sanctuaire, c'est comme quand on s'arrête à un sanctuaire. Donc on va lancer la mission, c'est une mission qu'on a déjà fait, je suis navré, j'hésitais à la refaire, mais comme ça je vais pouvoir m'en servir pour réapprendre un peu le jeu, et voir s'ils ont modifié des trucs. Voilà, c'est tout ce que je sais pour le moment de la bêta, j'ai juste lancé ça pour vérifier que c'était bien la mission. Et je vais essayer de me rappeler du mieux que je peux du gameplay, mais c'est pas gagné, et il fait une chaleur infâme dans ce jeu. Donc voilà, c'est exactement pareil, hein, on arrive sur une plage. Donc déjà pour commencer, on a quelques petites variations au niveau des armes. Ouh, l'effet est différent je crois. Monter en niveau, j'ai pas d'Amrita donc ça sert à rien. Faire du PVE, ça sert à rien. Donc... Voilà, vous pouvez voir que j'ai deux katanas. Donc ça, c'est nouveau. C'est un nouveau type d'arme. Enfin, par contre, je vais essayer de mettre la manette de façon à ce que ça ne me dérange pas. Haha, l'arc s'est cheaté. Je sais pas... ah oui, maintenant on peut avoir deux slots en bas, vous voyez, ça change. Équipement. Donc voilà, soit un double katana, soit un katana normal. Je vais garder. Je vais passer au katana normal. Oh, on va essayer un peu le double katana. Par contre, non, j'en veux qu'un. Ah non, je crois que ça change pas le poids dans celui-ci. Je sais plus. Non, les armes changent pas le poids. J'ai pas d'armure de tête. Entre parenthèses, c'est le max qu'on peut avoir ou c'est tout ce qu'on a en stock? Parce que si c'est tout ce qu'on a en stock, je suis plutôt pas mal. Hein. Premier combat. Ah oui, donc ils ont changé la caméra. Maintenant, on a une caméra comme dans Dark Souls. Ça, c'est plutôt cool.
Attendez, ça me gratte. Donc l'arc dans... Mais j'ai... Les arcs... Ah non, j'ai que 3 flèches. Ok, putain, faut que j'arrête. Ah, c'est bon, j'en ai récupéré. Ah, j'ai un de mes petits bonhommes, là. Je l'ai récupéré ou pas? Genre, je sais pas si c'est une coïncidence, mais il a vraiment montré la direction du sanctuaire. Donc ça va être sûrement être une coïncidence. C'est une folie. J'ai une invasion de mouches chez moi depuis quelques jours, je vous dis pas. C'est une horreur. Donc si vous me voyez bouger les mains dans tous les sens, c'est certainement une mouche qui me fait chier. Donc ça va, pour le moment, le jeu, je reprends plutôt pas mal mes habitudes. Avec mon fidèle Edward, je crois qu'il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle. De toute façon, ce jeu, c'est de la frappe. Je le trouve un peu plus beau, mais c'est peut-être juste une impression. Non, la lance, je m'en fous. Je sais plus comment... Comment on change de truc de mêlée? Ça a été dit, mais... Talisman Bali, ça c'est nouveau. Wow. Ouais, ça fait... Ils font toujours aussi mal hein, dans ce jeu. Hein. Ta-da-da-da-ta-da-ta-da. Le chant du Dragon Ball. Ouais, points de compétence. Genre comme ça, je chope des points de compétence. Ça c'est ce que j'ai déjà, ça c'est ce que j'ai pas. J'ai pas assez de points compétents de toute façon. Pa 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 pa. Merde. Wouah, la violence. Quelle violence, quelle violence. Bon, on va aller peut-être récupérer nos âmes.
ninja. Tcha, 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 tcha. Ah oui, je voulais voir ce que c'était. Mémoire d'Amrita, non, ça on s'en fout. Ça, je crois que c'est juste. Ouais, ça c'est. Ok. Non, si c'est ça, dans les raccourcis. Talisman balise. Ok. Nani? En fait, d'accord, on peut gagner des points de compétence quand on maîtrise les armes, c'est nouveau ça. Par contre, le mec à la hache, je sais pas où il est passé. Hein. Oh, je suis mort. Non, ça va. Faut monter le cœur s'est cheaté, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, le cœur s'est cheaté. Avant, je bouffais toutes mes trucs d'âme là. Quoi, je veux prendre que deux niveaux? Ça commence déjà à coûter une blinde? Eh ben, en même temps, moi je me souviens sur l'alpha, je sais pas si j'étais au niveau maximum, mais il me fallait 100 000 de. Comment? Ah, katana et double katana, c'est pas pareil. Est-ce que j'ai la parade?
Je vais passer à un seul katana parce que ça m'intéresse pas en fait. Comme ça, un seul katana, je pourrais mettre tempête. Ah non, mais c'est pas ça. Ah, c'est ça. C'est ça. Merde. Je me suis perdu. C'est ça. Voilà, maintenant il faut juste que je monte mes combats. Y a pas moyen d'augmenter ses dégâts? Ils ont totalement changé les systèmes de compétences, hein. Je crois qu'avant il y avait moyen d'augmenter ses dégâts. Je sais plus, bon c'est pas grave. Sauf que du coup j'ai plus la bonne arme. Comment on change d'arme? Merde. Je sais plus comment on change d'arme. Ah d'accord, R1 et R1 et prendre le 4 et flèche sur le côté. Oh mais calme-toi mon ami. J'ai plus d'ambiance. Allez. Non, en fait, c'est l'animation qui fait ça. Ok. Armure si j'ai des trucs mieux. 9%. Il me reste plus qu'une flèche. Ah oui, j'ai pas regardé s'il y avait un si elle me pouvait me vendre des trucs genre les flèches ou quoi la meuf. Merde, j'ai pas récupéré les objets là. Bon, je vais aller tuer les autres ennemis sur mon chemin et j'irai récupérer les objets là. Oh, cette attaque! Ah ouais, mais les animations du katana à une main, elles sont tellement parfaites. Il est moins bien, je vais pas le prendre. Je vais pas m'emmerder déjà avec mon équipement. Ce jeu va être tellement ouf. Je le dis parce que là,
je le redécouvre. Mais chaque fois que j'y joue, c'est un kiff permanent, quoi. C'est ouf. Il est où le mec dangereux? C'est lui. J'ai 6 flèches. Par contre, la visée, elle est... Ouais, non, non, tu vas te calmer direct. Allez, viens. Pas vraiment ce qu'on peut faire avec les pierres. Merde. Fuck. Oh là là, c'est d'une violence! Ah, ils sont tellement puissants ceux-là, je vous jure! Temps de chargement sont pas trop longs, ça va. Par contre, en fait, il y a un. Moi, pour moi, c'est un défaut énorme de ce jeu, c'est que tu passes ton temps à voir si t'as pas des meilleures armes ou quoi. Et en fait, c'est super chiant à force. C'est pour moi le seul défaut que j'ai trouvé à ce jeu, c'est vraiment sa gestion de l'inventaire qui est très pénible. Normalement là je peux les passer sans souci. En fait, j'appuie sur L2 pour sortir mon arc, mais non. Oh là là! Oh là là! Oh là là! Ah, c'est dégueulasse! Oh, en un seul combo, il me tue, c'est dégueulasse!
Je suis quasiment tout. Je crois que j'ai fait tous les ennemis sans me faire toucher. Et lui là. On va peut-être éviter d'essayer de le parer du coup. Je dois faire l'esquive. En fait, ça me dérange pas en soi de tout le temps l'esquiver, mais c'est classique quoi. Bon, ça, c'est redoutable hein, contre ces mecs là. T'aurais pas des flèches, sérieux? Putain, mais t'as un archer, mais t'as pas de flèches. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Oh, pareil, je vais pas prendre de risques. Merde. En pleine tête. Je n'avais pas prévu, je pense, que je touche la tête, mais... Ah, mais eux, ils me font trop de dégâts, quoi. Par contre, quand ils se fatiguent, ils prennent tellement cher derrière. Bon, toi, du coup, j'ai compris. J'essaye pas de te parer, toi. Oh, t'es... Je suis pas vraiment censé pouvoir être touché comme ça, mais bon. De mouche. C'est quoi ça? Ah, c'est une sorte de parade, ok. Ok, équipement, voilà. Bon, je me suis familiarisé avec mon arme, je sais pas vraiment ce que... Il n'y a plus de destruction d'armes, on est d'accord. D'accord, ça c'est bien, ça c'est bien. Merde, j'avais pas vu que j'allais récupérer tous mes élixirs. Ouais, en fait, l'intérêt principal du jeu, c'est le katana. Hein. En vrai. On va pas se mentir, mais... On peut sauter dans le jeu ou pas? Je crois pas, hein. C'est vrai que j'aurais pu aller là en fait au lieu de... avant d'aller à l'endroit dangereux quoi. Waouh! J'ai pas mal de niveaux à prendre. Force, ça augmente. Ça augmente quasiment que dalle mes dégâts. Compétence, c'est un peu mieux. C'est quoi la différence entre dextérité et compétence? D'accord, ok. Donc déjà, dextérité, magie et esprit, on va pas s'en servir. Mais voilà, le cœur ça augmente. Mieux mes dégâts que la compétence. Le cœur c'est cheaté les gars. Le cœur c'est cheaté et ça, ça n'a pas changé. Et merde. Déjà, j'ai voulu esquiver avec Ron. Alors,
Ça, c'est marrant, c'est que c'est les anciennes touches. C'est les touches de la première démo, en fait. Je vais retourner au feu. Enfin, au feu. Au temple. Ou peu importe ce que c'est. Le plus vite possible. Bon, on est déjà une demi-heure. Je vais pas réussir à faire tout le niveau en une heure. Mais je devrais quand même être pas loin du boss à la fin. Merde, et du coup, il est réapparu. Bon, je vais même pas me faire chier à la combattre. Bon, allez, si. Et ça, ça marche beaucoup mieux qu'avant. Ça, c'est fou comme ça marche mieux qu'avant, quoi. Du coup, je vais pouvoir apprendre la compétence que je voulais. Mais c'est parfait, ça. Magnifique. On va tester direct sur l'autre mec qui a rien demandé. Oh, ça va marcher. Ok, je crois que ça marche que sur les mecs au katana. Oh là là, oh là là, ça prend cher. Ça prend cher. Non, ouf, putain. Seulement en posture basse ? Je sais pas pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Comment on fait déjà ça, tempête? Bon, je sais pas. Bah. Merci. Merde. Ouais, aïe, 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 ça fait mal. Et c'est chaud quand même. Non mais déjà, bon... Désolé, mais je vais reprendre de la vie parce que là c'est pas fou quoi. Je galère quand même un petit peu sur ce jeu, hein. Faut pas se mentir. Déjà, en fait là, ce qui est chiant, c'est que j'ai pas de... Voilà. Ah, on fait moins la maligne. Hein. Mais par contre, comment on fait un tir rapide avec l'arc? Calme-toi, le lapin, là. Je peux faire... Merde. Mais non! Mais fous le camp!
Je comprends pas. Je crois qu'il faut. Je sais plus. Je croyais que c'était que les attaques en fait qui nous paralysaient si on essayait de bouger après. Après ne plus avoir d'endurance, mais en fait, non. Hop, on prend les mêmes, on recommence. Oh bah merde, je l'ai raté. Bon, j'ai plus de flèches. Non, en fait, je suis baisé, quoi. C'est-à-dire que si je me fais mettre au sol par une de ces genres d'attaques, c'est forcément game over, quoi. C'est pas grave, hein, je peux apprendre à me battre, hein. Il y a un objet que j'aurais bien aimé récupérer, mais... Ah putain, il y a celui là-bas que j'ai oublié aussi. Bon. Du coup, j'ai chopé des trucs intéressants ou pas? 96, je suis à 73, non. J'ai pas une seule épée à 73? Arc long, 56, non, j'ai pas. Masque, pas mieux. 33. Oh, c'est... Non, c'est plus lourd. Ça c'est trop lourd malheureusement. Non mais par contre je ne sais pas comment on tire vite avec un arc. Hein. Alors on est reparti pour faire de l'équipement, hein. C'est la base du jeu. Ça c'est beaucoup trop lourd. C'est trop lourd mais au moins j'ai la classe. Bon. Combat un peu complexe. C'est pas les mêmes yokai que dans Yokai Watch hein, quand même. Oh putain! Aha!
C'est toi qui es pas suffisamment fort. Mais même ce qui drop, c'est de la merde. Oh, c'est le même poids, mais c'est vachement mieux. Je sais pas ce que c'est les mèches de trucs là. Waouh! Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que là, en 20 minutes, je suis pas prêt de faire cette zone. Hein. Ça, c'est clair et net. Par contre, en fait, je vois que genre la magie, même si concrètement, je m'en sers pas. Je vois que la magie, ouais, je m'en sers pas, j'ai quand même grave des points, quoi. Ah non. J'en ai que deux. Mais pourtant, c'est écrit point de compétence, magie de je sais plus quoi. Bon, je sais plus quoi mettre. On va maintenant, je vais tout acheter, comme ça va être réglé. Ah merde, je suis trop lourd. Comment ça se fait? C'est quoi les fragments d'esprit du fer? D'accord, c'est pour faire de la forge. Ah putain, c'est mes ennemis jurés. Ils sont trop vifs pour moi. Et merde. Pff. Ah non mais...
Bon, en fait, je sais pas pourquoi j'utilise la petite truc, hein, ça marche très bien la grande. Enfin, la posture moyenne, je veux dire. Mais. Il m'a poussé dans les flammes! Non, mais ces ennemis-là. Putain, ça. J'avais oublié à quel point le jeu était dur en fait. Bon, ok, j'ai fait en 45 minutes ce que j'avais fait une heure et demie, je crois, ou deux heures la première fois, mais. Mais t'es sérieux toi? Oh merde. Ça va. Je vais juste voir s'il réapparaît ou pas. De toute façon, j'ai plus d'élixir, donc qu'il réapparaisse ou pas. Ah, je vais peut-être pouvoir faire un peu des offrandes. Oh, je peux rester appuyé et tout sélectionner, cool. Attendez, je vais juste refaire un peu pour être sûr. Oh, tu vas fermer ta tête? C'est tout beaucoup trop lourd. Faire une offrande. C'est beaucoup plus rapide. Et je me retrouve avec combien d'élixirs du coup? Oh, je crois que c'était un bug graphique. 7. Ça devrait aller. Bon, lui, je peux le laisser tranquille. Et le truc ne réapparaît pas. Merde. Pierre a aiguisé, mais pourquoi faire? Oh, je l'ai fait sans faire exprès. Oh, la tête, elle a volé, j'aurais pas aimé.
Il est encore là l'archer. Une flèche. Oh, je vais aller loin. Voilà, c'est le moment un peu tendax. En fait, ce que je vais faire, je vais mettre un raccourci pour les antidotes. Merde. Bon, nous aussi on se prend des dégâts doubles quand on s'en prend une dans le dos quand même. Faut pas rigoler avec ça. Allez, on fait un petit tour d'inventaire. Ça c'est moins bien carrément. Ça c'est beaucoup mieux mais c'est beaucoup trop lourd. Faut que j'améliore mon endurance pour porter plus d'équipement en fait. Voilà, Kishu Imonji. Kiku Imonji. C'est un nouveau sabre. Voilà, ça reste un katana. Donc même si c'est pas le même katana, je peux... Ah, j'ai été repéré par un ennemi. Du coup, c'est un moveset différent en fait. Par contre, en vrai, je sais pas du tout comment on fait moveset rapide avec cette arme. Tir rapide, je veux dire. Ouais, mais la posture basse contre les zombies, c'est vachement efficace parce qu'on est sûr de pas les rater, quoi. Non seulement on les rate pas, mais en plus on les hache bien menus comme il faut, quoi. Bon, on va attaquer ce monstre ou pas? J'aurais peut-être débloqué le raccourci avant de l'attaquer. Peut-être concrètement, est-ce que j'ai vraiment l'intérêt à l'attaquer? Je ne pense pas. Je ne pense pas, donc on va plutôt continuer la zone. Hop. Ok. C'est dangereux comme truc quand même. Je crois qu'on me tire dessus avec un arc. Oh, une arquebuse! Attendez.
Laisse tomber. Oh, c'était trop classe. Alors, arquebuse. Attendez, j'ai quelle arme là? Oui, j'ai encore le... Attendez, j'ai lequel? J'ai le chi ou j'ai le... Non, j'ai celui-là. Enfin, c'est celui-là qui est plus puissant. Donc du coup, on va tester l'arquebuse sur ta pomme, mon vieux. Arquebuse! Ah, je suis un peu loin. Oh! Oh, ça tire une boule de feu, quoi. Tant pis pour l'arquebuse. Oh là, l'esquive qui passe pas. J'ai 4 balles. Autant le finir à l'arc. J'ai plus de flèches. Putain, c'est une blague. C'est quoi le tir rapide avec l'arc? Attendez. Options. Paramètres. Commandes. Il n'y a plus de tir rapide? Bon, j'ai dû tirer l'autre flèche que j'avais, hein. C'est pas grave, hein. Pas un problème. Je peux remonter sur les autres toits ou pas? Ah bah. Ouf, s'il y avait un endroit... Ah oui, je peux remonter à l'échelle, elle est là. Faut que j'aille récupérer mon petit bonhomme. Oh. Cool, j'ai un point de compétence dont je me servirai toujours pas. J'ai 9000 âmes. Donc, ce qu'on va faire, je continue à prendre des trucs. Hein. Ah, ça c'est, on ça s'améliore. Je peux avoir niveau 2. Eh mais il y a plein de trucs qui sont rajoutés là. Non en fait, non, pas du tout. Donc ce que je vais faire, je sais pas si je m'arrête en fait au milieu de nulle part pour l'épisode et je reprends après, moi pour moi ça change rien. On va faire ça. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Bah je vous dis à la prochaine. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Je suis allé quand même beaucoup plus loin. Je crois que j'ai mis 2 épisodes en vrai pour arriver là la première fois. Là, à part quelques échecs au début pour me remémorer le gameplay, ça a été. Je vous dis à la prochaine. J'espère que cet épisode vous a plu et salut à tous.